Hello les master entrepreneurs, bienvenue dans cette vidéo. Comment devenir web entrepreneur et développer son activité, développer son entreprise directement en ligne et pouvoir en vivre. C'est une vaste question, vous me la posez très souvent. Vous savez que je vis dans 3 pays différents et grâce au web entrepreneuriat, je ne suis pas infopreneur, je ne suis pas solopreneur. Donc j'accompagne les entrepreneurs toute l'année pour développer leur business et développer leurs activités sur Internet. E-commerce, développement de formation et même acquisition de nouveaux clients. Clairement, quelle est la première chose à faire si vous voulez développer votre business, développer votre entreprise assez rapidement sur Internet? C'est déjà de créer votre branding. Le branding est une clé essentielle pour votre entreprise. C'est une clé qui permet vraiment de développer votre activité de manière qualitative et d'avoir une image forte pour votre structure. Travaillez votre branding, travaillez votre image, c'est une des premières clés qui va vous permettre rapidement de passer au next level. C'est-à-dire que ça va vous permettre de rapidement fédérer des clients, fédérer une image. Alors qu'est-ce que ça veut dire un branding? Un branding, ça veut dire d'avoir une image complète et qualitative sur tous vos leviers. Ça peut être sur votre page LinkedIn, ça peut être sur votre page Instagram, sur votre page Facebook, et d'avoir un ensemble qui est cohérent dans vos activités et dans votre business. Un ensemble cohérent qui va permettre aux entreprises qui viennent vous chercher, aux entrepreneurs, si vous êtes en B2B, en B2C, de créer une dynamique complète, une dynamique qui va permettre de comprendre qui vous êtes, ce que vous faites et le service que vous proposez. Ça, c'est une clé quand même essentielle de votre activité. Quand on voit tout de suite votre entreprise, on sait à qui on a affaire et on sait surtout qui vous êtes et ce que vous pouvez proposer comme service. Deuxième clé essentielle, mettez votre value, ce que vous proposez, la valeur ajoutée de votre activité, mettez-la en avant et mettez ça de manière cohérente, claire, visible. Il faut que ce soit la première action que l'on voit sur votre activité et sur votre entreprise. Et troisième clé, mettez un endroit, une page de vente, une page de lead generation qui permet aux clients de tout de suite prendre contact avec vous. Multipliez les points de contact, c'est une des clés. Si vous multipliez les points de contact, cela vous permet rapidement de créer du lead. Parce que c'est le lead qui va permettre de générer des revenus, générer des ventes et générer le premier contact. N'oubliez pas une chose, vous n'allez pas rentrer dans un café, voir la première femme ou le premier homme qui vous plaît et dire on se marie. Vous voyez, ça ne marche pas. Donc la vente, c'est pareil. Il faut un peu de séduction, il faut montrer votre expertise, montrer qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous êtes capable de le faire. Et ça, c'est une clé vraiment essentielle de votre entreprise. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous avez plein de vidéos sur ma page YouTube et ma page Facebook qui vous expliquent comment attracter vos clients et comment, bien sûr, créer le lead, ce qui va vous permettre de générer des revenus. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager cette vidéo, ça peut être très intéressant. Et pour ceux qui veulent, rejoignez le groupe des web entrepreneurs sur le groupe Facebook ou téléchargez l'e-book qui est directement sous la vidéo. À très bientôt les master entrepreneurs.